Fabrice, donc on se connaît depuis très longtemps, depuis l'école, il y a vraiment longtemps. Puis on travaille très vite, donc dès l'écriture du scénario. Donc les premières versions, j'ai des versions du scénario, et puis on avance comme ça en parallèle jusqu'au tournage, et puis la post-production, évidemment. Mais sinon, voilà, c'est vraiment de la composition en même temps que l'écriture. On essaye de trouver des thèmes par rapport à des personnages. Mais ça dépend. En Calvaire, il y avait très peu de musique. Il y avait un morceau de musique. Quel morceau, mais il y avait une scène. Voilà, c'était très peu. Sinon, voilà, oui, on essaie plus de travailler sur Adoration. Ça a été beaucoup plus travaillé, beaucoup plus quand même. Il y avait quand même une BO assez conséquente. J'aime beaucoup imaginer la musique comme un personnage, donc qui a des choses à dire, qui ne parle pas pour les autres. Donc, si quelque chose est dit, si un personnage parle d'une chose, bah, inutile d'en rajouter, les choses sont dites. Donc, j'essaye, voilà, mais j'aime bien que la musique a un vrai rôle, quoi, quand elle doit dire un truc, quand elle doit aider ou raconter des choses, qu'elle prenne sa place, oui. Mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Je ris, c'est de l'humour. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette femme? Ce qu'il faut pour lui prendre son argent. J'essaie plus de les voir par rapport à, oui, par rapport au personnage. J'essaie plus ça que par rapport à l'harmonie ou même si moi je suis autodidacte, j'aime bien ne pas trop réfléchir et d'aller à l'instinct, que ce soit par rapport aux mélodies ou par rapport que ce soit à la construction de sons. Mais sinon, j'essaye, oui, effectivement, de trouver d'aller vraiment dans le psychologisme des personnages et d'essayer de voir ce qu'ils représentent. Mio amore, grazie a te. Ogni giorno riscoprire la bellezza dei colori della vita. Je travaille essentiellement au piano au début. Maintenant, les choses changent avec cette pandémie. Ceci dit, ça change aussi, quoi. Je veux dire, bon, moi, j'ai travaillé un film où j'étais en confinement. Bah, donc, on n'a pas de studio. Donc, on n'a pas. Voilà. Donc, ça change les choses. Donc, je travaille plus sur des claviers numériques. Puis je réinvente des choses. Donc, je travaille aussi maintenant. J'essaye de travailler sur des sons de nature. J'essaie de travailler plus avec des choses organiques. Tu crois en Dieu? Je sais pas. Tu crois quoi?